Bonjour, bienvenue sur ma vidéo de Bus Simulator. La dernière fois, je vous avais promis une vidéo spéciale en particulier. Ce n'est pas une vidéo comme les autres. C'était une vidéo pour savoir comment personnaliser la girouette d'un bus. Excusez-moi si j'arrive pas bien à m'exprimer. Donc en gros, personnaliser la girouette d'un bus, c'est marquer ce qu'on veut, quoi. N'importe quoi, quoi. Ou écrire un mot, ou tout ce que vous voulez, quoi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Une fois que c'est chargé, là que ça charge. C'est un peu lent. Voilà. Comme là je suis les bus sont en dépôt, je choisis n'importe quel bus. Admettons, je vais choisir le Citaroca. Donc pour valider, on appuie sur un X. We took good care of this Mince, bus for je suis trompé. Bon. Effectivement, bon, c'est celui-là. Donc vous voyez, il y a écrit indisponible. Par exemple, je voudrais marquer. Bon, je voudrais marquer Évry. Donc là, j'ouvre. Je préfère avancer un peu. Je ferme les portes. Effectivement, pour avancer, il faut toujours fermer les portes. Ben tiens, je vais écrire Paris sur le bus, sur la girouette. Donc pour personnaliser la girouette, j'appuie sur triangle. Après, je vais avec la flèche de droite, je vais sur lumière LED du bus. Puis je valide en appuyant sur X. Là, il y a texte par défaut, dernier arrêt. Donc effectivement, moi je vais sur personnaliser en appuyant sur la flèche de droite de la manette. Et pour valider, bon, je voulais écrire Paris. Donc pour aller sur Paris, donc là je vais pouvoir écrire Paris. Donc là effectivement j'appuie sur X. Donc pour aller à gauche, à droite, en haut, en bas, soit c'est les flèches ou bien le joystick gauche. Donc pour voilà, et pour valider les lettres, j'appuie sur X. Ouais, effectivement, c'est déjà inscrit. Et là, avec la feuille du haut, je vais sur Paris. Voilà, une fois que c'est terminé, j'appuie sur R2 pour valider. Effectivement, ça sélectionne sur le petit panneau. Et pour valider, j'appuie sur la flèche du pas et puis j'appuie sur X pour accepter. Donc c'est là où c'est écrit accepte. Donc ça a été validé. Je sors du bus pour voir la girouette. Voilà comment on personnalise la girouette d'un bus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.